Alors bonjour, qui es-tu? C'est quoi l'atelier Hirondelle? Bonjour, je suis Vincent Gaillard, architecte initialement, et je suis le dirigeant fondateur de l'atelier Hirondelle, qui est une société à mi-chemin entre l'architecture, la charpente, la menuiserie et l'ingénierie, où on essaye particulièrement de travailler sur la micro-architecture, sur la perma-ingénierie, sur tous les aspects de l'architecture légère, éphémère et démontable. Tu intègres des compétences de construction, c'est quoi d'être architecte constructeur selon toi? Je trouve que c'est assez à part du métier classique d'architecte, parce qu'on se retrouve sur des champs de compétences complètement différents, à travailler en interne avec, en ce qui nous concerne, des menuisiers, des charpentiers, des couvreurs, des plombiers, c'est du vocabulaire différent, c'est une approche de projet différente. Moi, je pense que c'est un exercice beaucoup d'humilité, de se dire que, en fait, ça fonctionne très bien quand on est tout seul devant son dessin, son projet, et là, d'avoir affaire à la réalité, très rapidement dans le processus projet, ouais, c'est un processus d'enrichissement, et d'humilité, aussi. Alors, l'atelier Hirondelle a un statut assez spécifique, assez particulier, parce que ce n'est pas une agence d'architecture, ce n'est pas une société d'architecture, on n'est pas inscrit à l'ordre, on ne fait pas de l'architecture au sens propre de l'architecte. On est déclaré comme une société d'activité spécialisée de design, qui a particulièrement du sens, parce qu'on intervient à des échelles de projets très différentes. On fait aussi bien de la menuiserie de précision que de la conception de maîtres d'œuvre à plus large échelle. Donc nous, on est relié à la Chambre des métiers et de l'artisanat, rien à voir avec l'Ordre des architectes, et on est assez isolé par rapport au milieu, au pluriel de l'architecture et de la construction en général. Quelles sont les particularités d'une tiny house? Est-ce l'avenir de l'habitat selon toi? Les particularités, la grande particularité de la tiny, en général, ce que les gens voient en elle, c'est la mobilité. Moi, je pense que ça, c'est un énorme enjeu, la mobilité de l'habitat. C'est un enjeu qui a longtemps été considéré comme un gras qui est réservé à des populations qui sont souvent marginalisées, la mobilité de l'habitat. Donc, on pense souvent aux populations de Zigane, aux populations des gens du voyage. Et ça a longtemps été affilié à ça, à une mobilité contrainte ou à une mobilité non choisie. Bah d'ailleurs, c'est l'occasion de dire merci à Stanley Cambeau, qui est un architecte vraiment formidable, qui a monté Échelle Inconnue, qui est un groupe à Rouen, qui travaille sur la mobilité de l'habitat et sur la mobilité de l'architecture et de l'aménagement spatial. Il a beaucoup travaillé sur la Smala en Algérie, qui était donc pendant la colonisation de l'Algérie, toute la capitale qui se déplaçait en même temps que le mouvement des armées. Bah, c'est en faisant un stage chez eux que j'ai vraiment cerné l'enjeu de l'habitat comme quelque chose qui a du sens et qui va en avoir de plus en plus pour énormément de raisons. La question du changement climatique, la question des déplacés climatiques va être un énorme enjeu dans les dizaines d'années à venir. On a une question aussi immédiate qui est celle de l'emprise au sol. Aujourd'hui, les sols disparaissent sous le béton, on a un biotope qui meurt. À tous les niveaux. En France, c'est tous les 7 ans l'équivalent d'un département, de la surface d'un département qui est noyé sous le béton. Il y a un enjeu sur la mobilité et donc sur la réversibilité des sols qui est immense en fait. Et je pense que c'est à nous, architectes, de la saisir. Que nécessite légalement une tiny house? La réglementation est-elle clairement définie? Alors, ça reste lent, il y a du mieux. Ça reste lent sur les aspects de l'égalité pour positionner une tiny sur un terrain. Il y a la loi Allure de 2014 qui propose la STECAL, donc qui est ce qu'on appelle la zone pastille, qui est de proposer dans un PLU d'une commune, d'une ville, des zones dans des habitats naturels qui soient propres à l'habitat démontable, écologique, à vocation permanente. Donc il y a la loi Allure qui a un petit angle d'approche sur la tiny. Maintenant,
C'est vrai que c'est compliqué parce que les élus ont parfois du mal à comprendre les enjeux. Parfois, on veut nous faire passer sur la loi caravaning, donc qui n'est pas du tout adaptée, qui n'est même pas en fait liée. La loi caravaning est une loi qui interdit les VASP, les véhicules aménagés, de stationner ou d'habiter sur n'importe quelle zone. Nous, ce n'est pas vraiment notre cas. On n'est pas dans de l'habitat de loisirs, on n'est pas dans du VASP, on est dans de la maison sur remorque plateau. Ça arrive des fois qu'on a des élus, on doit un peu leur expliquer les enjeux. Et le problème, c'est qu'on est dans une zone d'ombre légale encore. Je dis ça va dans le bon sens parce qu'il y a de plus en plus de groupes sur le groupe Hameau Léger. Il y a pas mal de groupes qui travaillent sur le fait de faire de la discussion avec les élus pour faire comprendre les enjeux de la mobilité et de la réversibilité des sols. Donc ça va vers le mieux, mais aujourd'hui, il y a une zone d'ombre. Nous, nos clients, ou quand ils veulent poser une tiny, on travaille avec les élus, en général sur les régimes PC et DP classiques, en sachant qu'on n'est pas sur un régime classique de l'immobilier, mais c'est une astuce qu'on a trouvée avec les élus, où tout le monde est d'accord de convenir sur ces modalités-là, parce que ça les rassure, au fond. Une construction sur roue ou dans un arbre se pense-t-elle de la même façon qu'une construction fondée sur le sol? Absolument pas. Non, une maison mobile, il y a énormément d'enjeux supplémentaires. Il y a la question de la route, donc il faut être conforme au convoi routier, au gabarit routier. Il faut être, donc c'est des histoires de gabarit, de poids, donc de matériaux, de mise en œuvre. C'est très différent. Nous, pour chaque projet, on a un devis poids. Et non, il y a des enjeux sur même la construction d'une maison perchée qui sont liées aussi à la qualité de l'arbre, à la vitalité de l'arbre, à sa courbe de croissance. L'idée, c'est pas de blesser l'arbre. Donc, on va devoir, même sur l'aspect structurel, avoir une mécanique avec du boulon qu'on va desserrer avec de la jambe de force. On est dans des mécaniques de charpente ou d'architecture qu'on pourrait trouver ailleurs. Alors, tu t'entoures de menuisiers, charpentiers ainsi que d'architectes. Quel est l'intérêt de ce lien entre ces deux corps de métier et qu'est-ce que la notion de chantier selon toi? L'intérêt de s'entourer de gens qui viennent de milieux différents, de cultures constructives différentes. Déjà, il y en a déjà entre nous, humainement, c'est d'apprendre. On apprend énormément en étant en contact au quotidien avec un menuisier, un charpentier. C'est même du vocabulaire constructif qu'on apprend, c'est une manière de faire, c'est une méthode, c'est énormément de choses où on se nourrit. Moi, depuis qu'on est dans cette démarche-là, j'ai énormément appris sur les métiers du bois parce qu'au contact avec des gens qui travaillent directement. Donc il y a ce premier aspect-là. Moi, je pense que le fait que les métiers parlent entre eux au quotidien, c'est au service du projet. Il y a nettement moins de discussions et de soucis en fait sur la question. On n'est pas dans un schéma où il y a l'architecte dans son bureau, dans son coin, qui sort des papiers, des plans, et qui les expose ensuite à des exécutants. Là, on est dans une démarche un peu plus horizontale, où on discute ensemble dès la conception, dès l'esquisse, de la faisabilité, de la mise en œuvre. En fait, on obtient un projet plus rapidement, je pense. Quel conseil donner aux étudiants en architecture et aux jeunes diplômés? Moi, ce que je conseillerais à un jeune architecte qui sort d'école, qui est dans une situation un peu ingrate au démarrage, c'est de se dire, OK, il me faut des billes, il me faut des armes supplémentaires. Cassons un peu le modèle. Je pense qu'il faut. Enfin, moi, c'est aussi une manière de voir les choses un peu plus large. Je pense que le modèle de l'architecture, avec l'agence, avec la commande, avec les séquences APS, APD, DCE, il faut faire bouger ça. Les commandes bougent, la manière d'appréhender les projets bouge, les gens et les clients, ils demandent de la transdisciplinarité aux gens, ils demandent des regards. Pour l'exemple, on est demandé sur un hangar agricole pour une permacultrice. Dès la première réunion de projet, on a autour de nous des experts en gestion de l'eau et des experts en construction de paille. Dès la première réunion, avant même qu'on ait signé la conception.
Et c'est à la demande de notre client. Je pense qu'on va vers ce modèle-là. Le client, il demande à ce que il y ait de plus en plus de compétences autour de la table, d'être de plus en plus rassuré. Et je pense qu'il y a une défiance générale sur les agences d'architecture. Je pense qu'il faut contribuer à travailler dans le sens de se dire l'agence, le modèle de l'agence d'architecture, il faut le faire bouger. Il faut intervenir un peu plus près de ce que veut le client. Et le problème, c'est qu'on parle de modèles qui n'existent pas. Avec l'atelier Hirondelle, on essaie de faire quelque chose à cheval entre l'architecture, la charpente, la menuiserie. On essaye. Il se trouve que nos clients nous demandent. Tant mieux. Mais je pense qu'il y a des modèles à inventer. Il y a vraiment des modèles à réinventer sur la pratique de l'architecture. Je pense plus près du chantier, plus près de la réalité, moins dans les bureaux, plus près du client. Je pense qu'il faut aller creuser dans ces aspects-là. Et pour ça, il faut prendre des risques, faut faire preuve d'audace en se disant, bah, faut réinventer et personne d'autre n'ira inventer le modèle, sinon moi en fait.